L'histoire de James Adams est étonnante et merveilleuse. Il faut apprendre à ne plus faire peur aux animaux plus petits que toi. Non, c'est sérieux. Mais je ne voulais pas te faire de peine, tu le sais. Et puis c'est toi qui as eu l'idée d'aller à la crique pour attendre numéro 9 et Jacques. Bon, d'accord, peut-être bien que c'était mon idée. Mais Jacques a toujours du miel pour toi. Alors, viens. Je voudrais bien que tu m'expliques un jour pourquoi tu te crois obligé de t'arrêter chaque fois qu'un simple buisson ou une toute petite pierre sont devant toi. Je voudrais bien comprendre ça. Et puis tu sais qu'Adam doit attendre ses provisions. Tu le connais, il va s'inquiéter pour nous s'il ne nous voit pas arriver. Ah, ça y est, tiens, regarde, en voilà encore. Chaque jour, ils sont plus nombreux à aller vers l'ouest. Ah, bon... Ils se ruent tous là-bas. On ferait mieux de disparaître en vitesse. J'ai pas envie que ces gens-là viennent m'embêter. Allez, viens. Allez, avance, dans la bus. Alors, dépêche-toi. Voilà. Ah, c'est très bien. Ça va. Oh! Dans la bus a bien mérité un peu d'eau. Oui, papa. Allez, viens, numéro 9. Tiens, bois ça. Hé, hey, vous, là-bas! Le vieux bonhomme! Le vieux bonhomme? Il a pas l'air non plus de sortir du berceau, ce gros tas de graisse. Gardez votre pignon pour vous, ça vaudra mieux! Vous croyez que nous pourrons traverser la rivière avant ce soir? Peut-être bien que oui, et peut-être bien que non. Oh, je m'excuse de vous l'avoir demandé, c'est parce que je croyais que vous connaissiez bien la région. Oui, je connais cette région, mais vous n'avez pas l'air de la connaître, vous. Tout le monde ici sait que cette rivière est dangereuse à cette époque de l'année. Prenez des précautions pour traverser. Je me suis débrouillé jusqu'à maintenant. Ouais, c'est parce que vous avez eu de la chance, voilà tout. Si vous étiez seul, je vous abandonnerais à votre triste sort. Mais étant donné que je vois qu'il y a une jeune fille avec vous, alors je vais vous aider. Oh, merci, ne vous dérangez pas. Je saurais très bien me débrouiller sans l'aide de personne. Et merci encore pour le renseignement, hein. Il m'apprend rien du tout. Tiens, prends les rênes, Déborah. Tu vois, numéro 9, on prétend que le ciel est toujours bienveillant avec les demeurés et les simples d'esprit. Peut-être qu'il pourra traverser la rivière, celui-là. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Papa,
Oui. Peut-être bien que tu devrais accepter que quelqu'un nous aide un peu. Non. Mais papa, quand on habitait chez nous, là-bas, à Peak Country, jamais nous n'avons dû traverser des rivières. Il y avait toujours des ponts pour ça. Oui, je sais que la vie est rude ici. Mais nous devons savoir tout faire nous-mêmes. Nous finirons par apprendre. Avance, Barnabus! Alors là, je ne comprends plus. Jacques devrait être là depuis longtemps. Et peut-être que son lumbago s'est encore réveillé. Ah, c'est toujours un vrai plaisir de se rafraîchir avec une belle eau claire qui coule au soleil. Allez, avance, Barnabus. Avance. Allez, mets tes méchants un peu. Allez, avance. Oui, voilà, comme ça. Avance. Oh, je crois que la roue est coincée. Tiens, tiens les rênes, ma chérie. Oh. Ah. Oh. Ah non, ça sert à rien. Allez, je vais te porter sur la rive. Viens, approche-toi. Viens te mettre là, là, juste au bord. Voilà. Voilà, comme ça. Allez, maintenant, assieds-toi dans mes bras. Tu me tiens, papa? Oui, oui, je te tiens. Et surtout, reste tranquille. Tu vois, c'est facile. Ça va aller? Oh, oui. Voilà, allez, il faut que tu tiennes les rênes. Et quand je te le dirai, avance par là. Je crois qu'on pourra s'en sortir. Hein. Ça y est, tu es prête? Bon, alors attention, hein. Vas-y! Vas-y! Avance, Barnabus! Allez, Barnabus! Avance, Barnabus! Vas-y, avance! Allez, Barnabus! Oh! 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 Papa! Oh! Papa! Tu t'es fait mal? Oh, j'ai dû me casser la jambe. Elle est coincée sur les cieux. Oh! Oh! Oh, non, attends, non, c'est trop lourd! Mais non, ça sert à rien. Oh, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, trouve quelqu'un pour m'aider. Oui, mais où ça? Oh, dételle Barnabus et va dans ce sens-là, voyant cet homme auquel j'ai parlé. Oh, 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 papa. Oh, 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 oh. Allez, n'aie pas peur. Barnabus est un gentil animal. Non, je vais pas te laisser tout seul. Oh. Ça, il en est pas question. Oh. Attends, papa. Attends un peu, ça va marcher. Oh. Oh. Attends, papa. Barnabus, je t'en supplie, avance. Avance, Barnabus. Je t'en supplie, Barnabus, avance. Avance, s'il te plaît. Ben. Ben. Ben, tu vas faire attendre Jacques si tu continues. Benjamin. Avec Benjamin, j'ai souvent l'impression d'avoir un vrai petit garçon. Oh! Papa, attends, je vais t'aider. Oh, non, c'est inutile. Trouve-moi très vite de l'aide. La rivière monte toujours. Mais, papa! Si je ne sors pas de tout ça, je veux que tu vendes le chariot, le cheval et tout ce que nous avons. Ça te rapportera assez d'argent pour retourner là-bas à Peak Country. Et une fois que tu y seras, le révérend et Madame Carmichael veilleront sur toi. Oh non, oh, papa. Oh. Non, papa, je veux pas. Non, je veux pas. Oh. Regarde, papa, un ours. Ah, écoute, sans faire de grands gestes, sans t'affoler. Va prendre mon fusil. Il est à l'avant du chariot. Dépêche-toi. Allez, va, vas-y. Écoute,
Écoute-moi maintenant. Ramène un des chiens en arrière. C'est ça, oui, vas-y, tire très fort. Voilà, bravo. Place ta crosse contre ton épaule. C'est ça. Attends encore. Ne tire pas tout de suite. Tu as tout ton temps, alors surtout ne te presse pas. Vise-le bien. Ben! Ben! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Pourquoi as-tu tiré en l'air? N'oublie pas que cet ours est là sur lui et pas sur un nuage. Oui, papa, je sais. Je voulais juste lui faire peur. Je voulais éviter de lui faire du mal. Pire, ne discute pas! Mais papa, regarde, il n'a pas l'air féroce. Et il est féroce comme tout animal sauvage. Alors fais tout de suite ce que je te dis. Tue-le! Arrête! Non, ne tire pas! Baisse ce fusil, tu entends? Cet animal ne vous veut aucun mal. Ma jambe est coincée. Je pense qu'elle est cassée. Bien entendu, tirez par ici. Oui, allez, viens vite nous aider. Oh, Adams, j'arrive tout de suite. Tu vois, je savais bien que c'était un coup de feu. Alors la prochaine fois que je dirai quelque chose, je te demande de le croire. Eh oui. Eh oui, c'est bien lui, le monsieur qui se débrouille seul. Dépêche-toi, Jacques, on n'a pas le temps de plaisanter. Il y a un homme blessé à dégager. Tu sauras tenir ce cheval? En tout cas, j'essaierai. Jacques, attache numéro 9 par devant. Lui aussi peut tirer. Oui. Oui, c'est vrai, il peut tirer, mais seulement quand il veut bien. Ah non, non, j'ai trop mal. Surtout ne faites rien. Alors restez tranquille, ce ne sera qu'une question de minutes. Bon, attention, à mon signal, tout le monde tire, d'accord? Oui, quand tu veux. Attention, allez-y. Numéro 9, allez-y, fort. Allez-y, bon sang, mais faites-les avancer! Non. Allez, fainéant, non, réveille-toi! Allez, avance! Encore! Non, arrêtez! Ah, c'est beaucoup trop lourd! Ben, viens ici, dépêche-toi! Tu vas nous aider à pousser ce chariot. Bon, alors attention, pousse! Allez-y, vous autres, là-bas, tirez! Oui, c'est bien, continuez! Allez, ça y est, prêt! Allez-y! Oui, voilà! Ma jambe! C'est fini! Allez, Jacques, viens m'aider, quoi! Oui, j'arrive! Doucement! Après avoir posé une attelle à la jambe du blessé, Adams décida de l'emmener chez lui pour le soigner. À la cabane, une surprise nous attendait. Dogaji, mon frère. Dogaji. Deharaja. Yogo To. Dogaji, Nakoma. Le faucon là-bas est blessé à une aile. Ah ouais, il manquait plus que ça. Tiens, il y a un homme blanc blessé à une jambe dans le chariot. J'espère bien que tu lui feras boire l'un de ces infects remèdes que tu sais préparer. Je voudrais déjà voir la tête qu'il fera en l'avalant. Et venez m'aider à le transporter à l'intérieur. Quoi? Tu voudrais que j'aide cette espèce de... Oui, oh, tout le monde s'en fiche ici de mon lombago, alors. Tu es bien? Oui. Ne t'approche pas trop du feu, hein. Il a été. Oh, vous n'allez quand même pas me faire croire qu'un Indien comme lui peut s'y connaître en soins. En tout cas, cet Indien s'y connaît assez pour ne pas se faire coincer sous son chariot dans une rivière. Oh. Ah, c'est bon, hein? Ça devrait.
représenter un cougar quand je l'aurai fini, mais tu vois qu'il y a encore beaucoup de travail. Déborah. Déborah. Oh. Ma jambe. Il n'a plus de fièvre du tout, monsieur Adams. Nakoma réussit toujours. Ouais, c'est ça, oui. Le seigneur guérit, et après, le médecin en retire tout le crédit. La phrase de Benjamin Franklin était un peu différente. Le seigneur guérit, mais c'est le docteur qui se fait payer. Rassurez-vous, Nakoma ne va rien demander. J'espère que non. Il n'est pas docteur, lui. C'est le meilleur docteur de tout le pays. Alors, parce que Nakoma porte pas l'habit et qu'ensuite il ne vous demande pas d'argent, vous pensez qu'il n'a aucune connaissance médicale? Les Indiens vivent ici depuis des siècles. Ils ont des tas de choses à vous apprendre. Est-ce que tu veux un verre d'eau, papa? Si, je peux le caresser. Oui, vas-y, il ne te fera rien du tout. Je pense même qu'il sera très content. Oui. Vas-y, très doucement. Tu es jolie. Oh, oui, tu es jolie. Tu es magnifique. Oui, oui. On dirait que ça lui plaît. Oui, je te l'ai dit. Il sent que tu l'aimes. Vous savez, papa a dit tout à l'heure qu'on allait partir très tôt demain matin. Je suppose que cela ravirait Jacques, mais je ne le laisserai pas s'en aller. Il faut encore plusieurs jours de repos à sa jambe avant qu'il puisse s'appuyer dessus. Et ensuite, nous avons toujours cette fameuse roue à réparer. Elle ne pourrait pas tourner bien longtemps. Nous n'aurions jamais dû pouvoir arriver jusqu'ici. Oh. Mais qu'est-ce qu'il attend pour s'envoler ? Il n'a peut-être pas envie de quitter ses nouveaux amis. Je rêve d'avoir un petit animal. Vous savez, un animal qui soit à moi et à personne d'autre. Et ce serait moi qui lui donnerais à manger. Maman a promis un jour qu'elle irait m'acheter un de ces jolis canaris, mais elle est morte. Seulement, papa, lui, il dit que les canaris, ça ne sert à rien. Ce sont des chanteurs agréables pour l'oreille. Oui. Papa lui dit que ce qui est beau dans la vie n'est jamais très utile. Et il dit aussi que les canaris ne travaillent pas. Moi, je pense au contraire que Dieu a fait les canaris pour qu'ils chantent et pour que nous les écoutions. Déborah, c'est l'heure de préparer leur pas. Surtout, n'oublie pas, elle dirige bien les affaires de sa maison et ne se nourrit pas du pain de l'oisiveté. Psaume 31, verset 27. Monsieur Metcalf, est-ce que vous avez lu les passages plaisants de la Bible? Alors là, je vous dirais que j'ai probablement lu la Bible plus souvent que vous n'avez respiré. Alors peut-être allez-vous vous rappeler de ce verset qui commence ainsi. Regarde l'hélice dans la vallée. Oui, bien sûr que je le connais. Regarde l'hélice dans la vallée, regarde les croître. Ils ne font rien, ils ne travaillent pas. Mais je te dis que le grand Salomon, dans toute sa gloire, n'avait pas l'éclat d'un seul d'entre eux. Merci. C'est justement mon opinion. Déborah, alors tu as entendu, rentre vite préparer le repas. Oui, tu le sais que tu es beau comme tout. Ça oui, alors. J'aimerais te garder auprès de moi toute la vie. Tu es tellement jolie, hein, tu entends? Mais qu'est-ce que c'est encore? Mais ne laissez pas cette bête toucher à ça, il va finir par les casser! Tu sais, mon lombago ne sera sûrement pas d'accord si tu tiens à vider entièrement le chariot. Tu crois vraiment qu'il faut tout décharger? Oui, il faut l'alléger suffisamment pour le soulever et enlever la roue. Je dois absolument changer ses rayons. Allez, lève-toi et donne-moi ce baril. Oh, voilà. Tiens, attrape.
Tu sais ce que c'est? C'est une boîte à musique. Ça s'appelle un orgue. Attends. Ça joue de la musique. Écoute ça. Il y a bien longtemps que je n'avais pas entendu jouer de l'orgue. Mais Dieu lui a offert le don et sa mère l'a développé. Oui, elle a sûrement joué de l'orgue avant de marcher. Quand elle avait à peine dans les 8 ans, je la conduisais écouter le prêcheur. Et après, le soir, à la maison, elle s'asseyait devant son orgue et elle jouait des hymnes qu'elle avait entendus pour la première fois. Vous devez sûrement être très fier d'elle. Non, parce que la fierté est un péché. Alors, mais pourquoi considérez-vous toute chose sous son mauvais aspect? Vous le savez que cette fierté-là n'est pas un péché. Dis, c'est de la très jolie musique, Déborah. Mais tu ne connais pas de la musique qui soit plus dansante et plus gaie que celle-ci? Oh tiens, cette chanson du Sud. Camptown races 5 miles long, doo-da, doo-da. Camptown races 5 miles long, oh, doo-da day. Going right on day, going right on day. Ça suffit! Ça suffit! Tu n'as pas honte? Oh, papa, pardon. Oui, c'était un peu frivole. C'est justement mon défaut d'être beaucoup trop frivole. Tu sais bien que c'est grave, la frivolité. Oui, c'est un horrible péché. Qu'est-ce que vous racontez là? De quoi est-ce que vous parlez? De cette chanson, de cette danse. Ce que je n'ai jamais supporté, c'est l'œuvre du diable. Papa, tu sais bien que Monsieur Jacques n'a pas un mauvais esprit. Va tout de suite dans la cabane. Tu m'entends? Va dans la cabane. Si tu veux savoir ce que je pense, heureusement pour lui qu'il y a sa fille. Parce que lui, il est autant le bienvenu qu'un putois au milieu d'un pique-nique. Descends de là, tu entends? Descends de là! C'est mon lit. Fiche le camp d'ici, espèce d'ours mal léché. Ne touche pas à cette couverture, tu entends? Laisse cette couverture et sors d'ici! Mais papa, tu oublies qu'il habite ici. C'est sa maison. Je te dispense de faire des remarques déplacées, tu as compris? Allez dehors, toi! Un animal est un animal. Il faut le traiter en tant que tel. Et ce n'est pas naturel qu'un homme traite un animal comme un ami. C'est mieux que de n'avoir aucun ami du tout. Quoi? Ça devrait marcher. Ah, j'en sais rien, ça a l'air un peu fragile. Monsieur Adams, c'est pour quoi faire? Et là, j'ai installé un levier qui va nous aider à soulever le tout pour enlever la roue et pouvoir la réparer. Ah ben, débrouille-toi seul. Je t'aiderai bien, seulement mon maudit lombago s'est réveillé et m'interdit tout effort. Tu veux arrêter de toujours te plaindre et venir travailler un peu? Allez, viens vite, dépêche-toi. Bon, voilà.
Bon, tu appuies là de toutes tes forces. Hein. Tu es prêt? Oui. Allez. Vous voulez que je vous aide? Oui, bonne idée. Allez, vas-y, je te laisse ma place. Jacques, si nous ne réparons pas vite cette roue, M. Metcalfe va rester ici pendant très longtemps. Oh, mais vas-y, allez, qu'est-ce que t'attends? Allez, hop. On n'y arrivera jamais. Ah, regarde, il faudrait pouvoir le soulever beaucoup plus haut. Je vois bien que ça suffira pas. Oh, merci, Benjamin. Oui, c'est très bien. Et surtout, ne bouge pas. Hein. Oui, très bien. Comme ça, c'est parfait. Ne bouge pas, Benjamin. Voilà, ça y est, laisse-le retomber tout doucement, hein. Tout doux. Bravo, Benjamin. Je crois que cette fois, j'aurais pas fait mieux que toi, hein. Oh oui, je crois que c'est très facile pour lui. Il ne souffre pas de ton fameux lambago. Hein? Hey, je crois me rappeler que Déborah a promis de nous faire une bonne tarte hier soir pendant qu'on mangeait. Est-ce qu'on peut cueillir des baies par ici? Oh oui, écoute-moi. Benjamin et moi, on va avec toi. Personne ici ne connaît mieux que lui les endroits où les baies sont si nombreuses qu'on ne voit plus qu'elles, attendant que quelqu'un passe par là et remplisse son panier pour en faire une tarte bien savoureuse. Oh, ça va, arrête de nous mettre l'eau à la bouche comme ça et partez tout de suite. Déborah est déjà prête, elle. Bon, d'accord. Ben, dépêche-toi, on y va. Il y en a beaucoup. Oh, regarde celle-là, comme elle est grosse. Tu as vu? Elles ont l'air d'être délicieuses. Oh, regarde ça. Monsieur Adams? Vous avez vu? Je pense que même un gros gourmand comme Jacques ne pourra pas tout manger sans être malade. Monsieur Adams, j'aimerais bien que papa décide de ne plus partir s'installer très loin là-bas. J'aimerais tant rester. Oui, rester très longtemps ici. Avec vous et Benjamin et Jacques et Nakoma. Oh, et avec toi aussi, oui. Ah, vous avez réparé la roue? Pas encore. Elle a presque l'air aussi solide qu'une neuve. Ah oui, mais quand j'aurai fini, elle sera bien plus solide qu'une neuve. Vous n'êtes qu'un vantard égoïste. Ah ah. Oui, je sais ce qu'il y a ça de feu, mon père. Mon père, une fois, il a sauvé un homme qui allait mourir noyé et qu'il n'a jamais remercié. Il lui a même laissé son lit pour dormir et lui couché par terre. Et il lui a même réparé la roue de son chariot et sans jamais recevoir de merci de cet homme. Alors, il est devenu très égoïste. Et moi, je suis comme mon père. Déborah! Déborah! Mais où est-elle encore? Partie cueillir des baies. Mais comment ça? Toute seule? Non. Avec Adams? Oui. Mais elle ne m'a rien demandé. Elle a pas dû en avoir envie. Oh, attendez qu'elle revienne à la cabane. Ah oui, ça est sûrement pas pressé. Monsieur Adams, je crois que jamais je n'ai vécu une aussi belle journée. Oui, je ne savais pas qu'on pouvait s'amuser autant dans la vie. On a un sentiment de liberté ici. Oui, je sais ce que tu veux dire. Je l'éprouve chaque jour en me levant, ce sentiment de liberté. Oh, regarde, le soleil baisse très vite. On n'aura pas le temps de monter sur la hauteur où je voulais aller. C'est beau là-haut. Oui, on peut apercevoir d'un coup d'œil toute la vallée. Il ne doit pas exister d'aussi jolie vue au monde. Alors, je voudrais bien aller voir ça. Et toi aussi, je suis sûre. Peut-être bien que Monsieur Adams nous y conduira demain, tu sais. Il n'aura plus besoin de moi demain. Il verra la vallée depuis le ciel. Ses ailes sont guéries. Mais, Monsieur Adams, je ne veux pas le laisser partir. Oui, je sais que c'est difficile. Mais il a peut-être envie de se retrouver seul là-haut. Mais s'il reste ici, je m'en occuperai. Je le jure. Et je le soignerai bien. Je lui éviterai de se blesser encore.
Pourquoi est-ce qu'elle n'est toujours pas rentrée? Ah, peut-être bien parce qu'elle s'amuse enfin. Et moi, est-ce que je m'amuse? Les trois ifs et la proie rêvée pour le démon. Vous savez, depuis que je vous ai rencontré, je me pose toujours la même question. Est-ce qu'il y avait du lait ou bien des citations dans votre biberon? Sage. Pourquoi est-ce que tu es parti sans venir me le dire avant? Mais papa, tu faisais la sieste. Je suis juste allée dans la forêt cueillir des... Benjamin Franklin a dit, si vous voulez vivre sans reproche, faites ce qui doit être fait et non ce qui vous plaît. Un homme peut être assez savant pour dire le mot cheval en 9 langues différentes, mais être assez ignorant pour se laisser vendre une vache. Benjamin Franklin a aussi dit ça. Débarras, nous partons demain matin. Papa, tu es d'accord pour que je garde le faucon quand nous partirons? Est-ce que je peux l'emmener? Tu es ridicule. Allez, rentre. Ne fais pas de mauvais sang à cause de ce bonhomme. Il n'en vaut pas la peine. Déborah, si. Oh. Tu es content? Regarde comme c'est joli. Il est beau, lui aussi. Oh, oui, toi aussi. C'est bon, hein? Tiens, vas-y, mange. Tu aimes ça? Déborah. 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 Déborah, où es-tu? Déborah. Oh, encore lui. Arrêtez un peu de brère comme un âne. Ça me suffit déjà de supporter tous les jours numéro 9. Mais Déborah est partie. Et le faucon aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle devient désobéissante maintenant? Je lui ai interdit de s'éloigner d'ici sans prévenir. Monsieur Metcalf, l'enfermer dans une cage, alors elle ne rêvera que de fuir de cette cage et de s'en aller. Quand elle réussira, elle ne reviendra sans doute pas. Ah oui, mais elle est en danger, là, dehors, toute seule. Oh, mon Dieu. Si jamais il lui arrivait malheur... Inutile de vous inquiéter, monsieur Metcalf. Je crois savoir où elle est allée avec le faucon. Il y a une clairière un peu plus loin. Je vais aller la chercher. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai toujours essayé d'être un bon père avec elle, de lui donner une bonne éducation. Sa mère n'avait pas la moindre autorité, alors je m'en occupais. Mais je ne lui ai jamais fait le moindre mal. Les torts sont quelquefois partagés. Mais il suffit d'un peu de compréhension de part et d'autre pour tout résoudre. Jacques, tu veux t'occuper de M. Metcalf, donne-lui un peu de café. Je vais chercher Déborah. Non, pas de café. Ah, on est poli. On dit pas de café, non merci, monsieur Metcalf. Le café du vieux Jacques est réputé par-delà les montagnes, croyez-moi. Il vous redresse la colonne vertébrale et vous ouvre les yeux tout grands et vous fait pousser des cheveux sur une boule de billard. Oh, eh bien, s'il est si bon que ça, j'en prendrai deux fois. Merci. Oh, je suis pourtant certaine qu'on est bienvenu par ici avec monsieur Adams. Attends, il me semble que c'est par là. Ou peut-être que c'est par là. Allez, tant pis, on essaie de ce côté. Il faut tenter notre chance. Pas vrai? Mmh.
pas. Sincèrement, je comprends pas. J'aurais pourtant juré qu'elle serait venue lâcher le faucon de cet endroit. Et aucune trace d'elle. Allez, viens, on fait demi-tour et on reprend tout à zéro. Allez, viens, mon gros. Je veux pas te faire peur, mais j'ai bien l'impression que maintenant, on est perdu. Regarde, ce sont les traces de Déborah. Regarde, Benjamin. On dirait qu'elle est suivie par un loup. Et viens vite, dépêche-toi. C'est Déborah, dépêche-toi. Monsieur Adams, c'est fini. Là, c'est fini. Tu n'as plus rien à craindre. Oh, monsieur Adams! Monsieur Adams, j'ai eu très peur. C'est fini maintenant. Tout ce que j'ai pu faire, c'était pour la protéger. Peut-être bien, mais c'est vraiment une folie de l'avoir amenée ici. Les montagnes ne sont vraiment pas conseillées à quelqu'un qui a si peu d'expérience. Ce n'est pas ça qui m'inquiétait. Ce sont les garçons qui me faisaient peur. Ils étaient tous là, à la lorgner toute la journée. Tiens, même à l'église, c'était dégoûtant. Mais pourquoi ça? Essayez de réfléchir, monsieur Metcalfe, c'est tout naturel. Moi, si j'avais 40 ans de moins, je vous jure que je ne me serais pas gêné pour l'admirer. Enfin, disons 50 ans. Il l'a trouvé, monsieur Metcalfe. Regardez, elle va bien. Papa! Oh, ma chérie! Oh. Papa, je t'aime très fort, que je suis contente!
faut énormément de courage pour admettre son erreur, Monsieur Metcalf. Je crois que la ville vous conviendra mieux à tous les deux. Oui, ça lui donnera une chance de voir des jeunes gens de son âge. Moi, il faudra que j'apprenne à regarder autre part quand elle aura trop d'admirateurs. Le fils reste le fils tant qu'il n'a pas pris femme, et la fille reste la fille jusqu'à la fin de sa vie. Merci. Je pourrai jamais vous oublier, ni les uns ni les autres. Et très sincèrement, je compte bien revenir vous voir plus tard. Tu seras toujours bien accueillie. Je voudrais dire au revoir au faucon. Je me demande s'il pourra revoler. Tu peux le garder si tu veux. Tu sais, je t'ai dit que je t'aimais très fort et je serais très contente de t'emmener avec moi. Mais je crois que si je te protège trop, tu ne seras plus capable de voler, d'aller là où tu pourrais avoir envie. Alors va-t'en, allez! Vole! Bien, ma chérie. Au revoir, Monsieur Adams. Au revoir, Déborah. Monsieur Jacques. Au revoir, Déborah. Je ne sais jamais quoi dire au moment des séparations. Monsieur Metcalf. Surtout quand je suis profondément ému. Personne ne sait jamais quoi dire, monsieur. Faites attention à votre jambe. Oui. Regardez, il est revenu nous dire au revoir. Au revoir, toi. Je ne t'oublierai jamais. C'est drôle comme les hommes et les animaux se ressemblent. Si on les aime assez pour les laisser partir, ils nous aiment assez pour revenir près de nous. Habla, habla, yé! Qu'est-ce que t'as aux yeux, Jacques? Eh? Ah, j'ai rien. Ça doit être la fumée du feu qui me pique. À mon avis, ça doit pas être ça. Pourquoi? Parce que je l'ai pas encore allumé.